Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Monsieur Pierre Laura, vous avez décidé d'être candidat aux prochaines élections municipales à Bandol en 2020. Pourquoi ? Effectivement, candidat en 2020, mon engagement pour Bandol est la suite d'un itinéraire personnel. L'engagement n'est pas forcément une valeur qui est à la mode de nos jours, mais en ce qui me concerne, j'ai été construit dans l'engagement d'abord en tant que militaire, puis quand la retraite est venue, engagement en tant que volontaire au service des autres, et également engagé au sein de l'association, toujours sur Bandol. Je suis depuis de nombreuses années la politique locale, et j'ai pu en voir tous ses travers. L'objectif, c'est de redonner une dynamique à Bandol et de sortir Bandol de l'isolement. Mais pourquoi maintenant ? Effectivement, nous sommes à une année maintenant de l'échéance municipale. Ça peut paraître long, ça semblera sans doute très long pour les commerçants du Quai de Gaulle, mais lorsqu'on veut fédérer, rassembler, construire un projet commun, une année me semble un délai raisonnable. Il faut avoir le temps de dialoguer avec tout le monde, avec les bandolés, et comme je le disais, de construire un projet commun en fédérant et en rassemblant un maximum. Vous avez été directeur de cabinet du maire sortant. Que retirez-vous de cette expérience ? Effectivement, j'ai occupé cette fonction dans une période où Bandol était plongé dans le chaos, l'immobilisme, où la presse ne relatait que l'épisode de querelle intestine et d'ego. Mais j'en garde un excellent souvenir. J'ai beaucoup apprécié travailler avec les agents sur de nombreux dossiers, et j'ai également beaucoup apprécié le contact humain avec les bandolés. Cette mission, je l'ai accomplie de mon mieux, je ne pense pas avoir failli. Une fois qu'elle a été accomplie, le maire sortant m'a proposé une place sur sa liste pour 2015, une place importante, je cite, une place que j'ai refusée puisque j'avais eu l'occasion, au cours de ma mission, de faire le constat des manquements de sa gestion. Des manquements qu'il avait envers la commune, envers ses administrés et même envers ses agents. Madame Romano, vous vous engagez aujourd'hui en politique aux côtés de Pierre Laura, pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons les mêmes idées sur le devenir de Bandol. D'autant plus qu'avec Pierre, je le connais parce que nous avons travaillé ensemble lorsqu'il était directeur de cabinet et moi adjointe. Et parce que je trouve que Pierre, c'est un homme qui est intègre, qui est droit, honnête, engagé. C'est un homme qui connaît ses dossiers. Et je pense que c'est un homme qui mérite vraiment d'être connu. Quel constat faites-vous de la situation actuelle à Bandol, madame ? Alors, le constat, c'est, pour moi, c'est un peu catastrophique, parce qu'on a des démissions à droite, à gauche, on a des travaux qui se font, là, actuellement, vite, vite, parce qu'il faut que ce soit terminé avant mars 2020. Ces travaux sont quand même onéreux. Et ce que je trouve un peu, et vraiment dommage même, c'est que quand on va dans les quartiers plus en arrière de Bandol, on s'aperçoit qu'en fait, rien n'est fait. Les rues sont sales, les quartiers sont abandonnés, et je trouve ça pas normal. Alors c'est bien, oui, de faire une jolie façade, mais il ne faut pas oublier le reste de la ville. Quels sont les grands axes de votre campagne ? Les axes de la campagne sont et seront multiples. Il faut redonner une dynamique à Bandol, redynamiser Bandol, rendre de l'attractivité à Bandol. Mais avant ça, je dirais qu'il est grand temps de remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire redonner du bien-vivre à Bandol. Comme le disait Véronique tout à l'heure, nous avons une voirie qui est hors d'état, des trottoirs délabrés, et des quartiers qui ont été totalement abandonnés. Il faut savoir qu'à Bandol, certains quartiers n'ont pas vu d'agents depuis des mois. Ça ne peut plus durer. L'important, c'est que les Bandolais se sentent bien à Bandol, et pour ça, il leur faut une ville propre où il fait bon vivre. Il faut également sortir Bandol de son isolement. Nous avons des partenaires historiques. Il faut mettre en place des synergies, et chacun y trouvera son compte. Et nos partenaires historiques, et la commune. Il faut développer le tourisme, le commerce
et exploiter cette baie. Nous avons à Bandol une baie magnifique qui n'est pas exploitée ou sous-exploitée. De même pour la sécurité, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui ne souffrira d'aucune approximation. Il faut que cesse le laxisme sur toutes ces incivilités qui rongent notre quotidien. Sortir Bandol de l'isolement, ça passe aussi par avoir des discussions franches et directes avec nos partenaires. L'agglomération en fait partie, la communauté d'agglomération doit bien évidemment être considérée comme un partenaire. Voilà des exemples de ce qu'il faut mettre en place, que ce soit avec l'agglomération, avec la préfecture et sur tous les sujets. Ce qui compte, c'est le dialogue, je le disais tout à l'heure, fédérer, rassembler, dialoguer. C'est comme ça que nous arrivons à construire un projet commun, avoir un socle commun. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter bon courage pour cette campagne. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.